Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête? Eh bien, c'était... J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allée au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyée dans un couvent, pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, hey, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. Hey, si tu sais pas où aller, n'oublie pas la carte qu'on a trouvée. Oui, merci. Je l'ai bien en tête. Allons jeter un nouveau coup d'œil à cette carte. Descends prudemment. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a une tour par ici ou... Non, mais... Ce symbole pourrait être notre chapelle. La capella où ils l'ont emmenée. Tu as raison. On dirait qu'elle brûle. C'est un dessin. Donc, sachant que le sanctuaire est là... Je pense que c'est sur le chemin du grand arbre décoré, sûrement après les moulins. Alors on est sur la bonne voie. Allons-y. Hé, Hugo, en chemin on pourra voir où ils en sont de la fête. D'accord. On verra peut-être des feux de joie ou d'autres activités sans danger. On pourra toujours jeter un œil. Allez, monte. Oui. Attention en descendant. Uh-huh.
On y est. On dirait que la fête a vraiment commencé. On peut passer par là? Ce sera agréable. Ils ont encore l'air heureux. Béni soit l'enfant! Béni soit la mère! Béni soit les jours où il reviendra! Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité? Ils n'en ont pas besoin, et c'est mieux pour nous qu'ils ne sachent pas. J'aimerais être comme eux. Il faut juste que tu surmontes tout ça. Et comment je dois faire? Juste en pensant à autre chose. Ne te fais pas mal, surtout. D'accord. Notre tour là-bas, non? Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. On y est presque. Hugo, attends. Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander. T'es sûre de toi à propos de tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Vous êtes trop lente! Hé, sois gentille avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça. Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil alentour? Là. On va vraiment la conquérir? Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma... contrebandière! Un contrat royal? Quel honneur! N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Allez, suis-moi. On va devoir sauter. Oui. Je crois qu'on y est. Vous êtes prêts? Oui. Continuons. Le voilà.
J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins... attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé, c'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un œil en bas. Bouffé par les vers. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Voyons si on... Peut-être avec mon arbalète. Oui ! Ça va marcher ? Avec un peu de chance. Eh ben, ça a marché. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tiendra ? Évite de sauter dessus. Waouh ! Regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà ? Pas encore, mais ça reviendra. Mais tu vas pas partir maintenant, hein ? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Oh, regardez ! Voilà notre fort. C'est grand. Ça... ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Amicia, il y a du sang. Oh non. Au revoir. Quoi ? Il est enchaîné. On doit s'en aller. Non, on doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Allez, monte. Oui. Silence. Nom de Dieu, il est juste au-dessus de nous.
compris. Les autres. Lâche-moi, sale porc. Bon sang, qui sont ces gens? Je dirais des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes? Ils capturent des gens et les vendent comme du bétail. C'est vrai. Je vais bien, mais ils sont prêts à tuer. Pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine. On lui a fait confiance jusqu'ici. Je suis sûr. Ça en fait deux, je sais. Et je ne préfère pas savoir, Sophia. Bon, fais ce que tu dois faire. Pas de rats, Amicia. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour être à leur jour radieux, là. Rien que pour me régaler d'un peu de viande rôtie. Quand on aura fini, tu pourras te gaver tous les jours. Que l'enfant t'entende. Il est cassé. On trouvera un autre chemin. Milo me colle la frousse. On se mêle de choses qu'on peut pas contrôler. Je sais, mais si ça nous permet de renverser le comte, je suis prêt à en payer le prix. Le comte sait pas qu'ils veulent lui faire du mal. Il sait comment fonctionnent ces gens. Si on devient riche, en voilà d'autres. Ouais. C'est eux, ça. On a des visiteurs. Faut s'occuper d'eux.
Ça vient d'eux, c'est sûr. Rêvez pas, je vous aurai quand même. C'est eux, ça. Des intrus! Tout le monde aux aguets! Je vais
vais massacrer celui qui a fait ça. Je crois. Pour l'instant. Pour l'instant. Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. Amicia, pourquoi il y a des esclavagistes? Pourquoi ici? C'est simplement la malchance. Pas seulement. Ils les ont laissés venir ici. Bon, on a une corde ici. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Oh, c'est un lustre, je crois. Il a l'air sacrément lourd. La chaîne a l'air plutôt solide. Tiens bon, je tire. Vas-y. Ça va faire du bruit. Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. Juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti. Pour m'amener ici. On était censé être guéris. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Non, ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils ont les crocs. Alors c'est très simple, on les nourrit, on aide l'enfant, et on pourra régner à ses côtés. Et alors le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? T'as jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai d'arrêter de me contredire. Sors ! Arrête ! D'autres volontaires ? Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Mais dis... Dis quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens?
Tu serais parti en courant. Et moi, je voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Hugo. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens, même des gens méchants... Ils sont tous comme l'Inquisition. Comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir. C'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça... c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sophia. Sophia, je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien, restons pas là. Est-ce que... ça va ? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Qu'y a-t-il là-bas ? Je pense que j'ai trouvé quelque chose. On monte. D'accord. Ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh, c'est... une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave? C'est possible? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu... l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez, viens, Hugo, allons-nous-en. C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. On va les laisser pendre encore combien de temps, ces cadavres? Ils sont là, restez baissés. Jusqu'à ce que les rats reviennent. Et que l'enfant les suive. Ça pourrait prendre des années. Non, pas cette fois. Les rats sont là. C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant. Milo a fait ce qu'il faut pour y parvenir. Et il a raison.
compagnie. Faut fouiller partout. Trouvons-les. Dispersion, ils sont pas loin. T'inquiète pas, on les aura. A dit qu'il travaillait pour la comtesse. Le comte et elle lui ont probablement offert cet endroit. Un lopin de terre et le droit de vendre des gens en échange d'une part du butin. Oui, une sale affaire. Qu'est-ce qu'ils font dans cette chapelle? Des choses horribles. On doit vraiment y aller. Et voilà, on est coincés dehors. Ces murailles sont anciennes. Il doit y avoir une brèche. Mais on devrait pas y aller. Bien d'accord. Il le faut. Thank you.
Hugo. Quoi? Je sais que c'est dur, mais tu dois rester avec nous. Oui. Voilà notre passage. Ce fort est méchant. Il l'est probablement, mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Vérifie que plus personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste là. Ils ont l'air bien morts, si tu veux mon avis. Va vérifier. Hugo, c'est fini. Je savais pas quoi faire. Ça va aller. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant, viens. Comment tu te sens, Sophia? Je m'étais promis de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée, mais merci de l'avoir fait. Ouais. Bon, essaie juste de pas te faire tuer. Promis, continuons. T'avais raison, il y en avait encore un en vie. On se dépêche, je veux pas finir comme Diaz. Pourquoi la haie s'est pas encore levée? Hé, ouvre-nous, bordel! J'y vais, cachez-vous vite dans la charrette. Et toi alors? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas croyable. Je vais lui botter le cul. Chut. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. On est coincé, Sophia. Est-ce que tu vois une issue? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être... Oh, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Quoi? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable. Ouh. Ouais, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Descendez maintenant. Oui. Merci d'être revenu. Oui, merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois, mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Je m'en charge. Bon, je te laisse, Vera. Dis-moi vers quel feu tu veux te diriger maintenant, et quand tu veux... Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Alors, la chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça? C'est ça. Et on doit la franchir. Bien, tu peux lâcher. D'accord.
Écoute-moi. C'est bien. On progresse. Comment vous pouvez être aussi calme? On a déjà fait ça plein de fois. Évidemment. Question stupide. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Ça ira comme ça. Bien. Ça fait beaucoup de feu. Je vais nous ouvrir un chemin sûr. Fichura. Tout ça, c'était vrai. Je pensais que c'était une plaisanterie de fou furieux. Je rigole beaucoup moins maintenant. Ils peuvent nous aider. Les rats ont traversé la tranchée. Merde. Prenez du temps.
L'enfant va les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Enfin. Oh, c'est... l'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque... c'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... sa fonction. Au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. Une crypte? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Tueri omnes tuendo. Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. Encore ce symbole. Pourquoi? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends, c'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais, c'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien, on dirait qu'il a quand même terminé son travail. Foutu là-dedans. Cet endroit est sacré. Toi. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu. Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi. La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider.
Ne dis rien. Ils ont tué Milo, là-bas! Ça y est, ils arrivent. Cachez-vous. Mets Hugo à l'abri. Ils ont massacré Milo, bon sang. Dégage! Vas-y! Ah ah, tout le monde! Tuez la fille! Non! Vous ne nous avez... Tu vois une issue, Sophia? Non, pas encore. Vous avez tout caché! Vous êtes en enfer pour ça! Vous faites une grave erreur! Reste calme. Reste concentré. Ça va vraiment mal finir, Amicia. Il y a forcément une sortie. Alors essaye d'en trouver une! Amicia! Laisse-moi t'aider! Non! Reste où tu es! Tuez cette fille! On y est presque! Ne faiblis pas maintenant! Laissez-nous partir! Oh. On peut en rester là! Ils sont trop bêtes! Arrêtez, bon sang! Qu'avez-vous fait? Le rituel n'est pas terminé! Il faut les tuer aussi! Hugo! Seigneur, ça n'en finit pas! Il ne tiendra pas! Il faut que je termine ça vite! Ils sont trop nombreux! Laisse-moi! Sortira jamais! Non! Pousse-toi les oreilles, tu m'entends? Je peux tous les tuer! Les ravages, c'est trop dangereux, Amicia! Laisse-moi les affronter! Tu m'écoutes maintenant! Arrête tout de suite! Me dis pas quoi faire! C'est ma faute! Amicia, il faut rentrer dans la chapelle! Il n'y a pas d'autre moyen! Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo, regarde-moi. Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Alors, tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place.